Salut à tous et toutes et bienvenue sur frappestjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soliste de Cryostasis sur PC. Donc la dernière fois on était exactement ici. J'étais mort plein de fois mais cette fois-ci... Ah il s'est ralenti mais... C'est quoi que ces ralentissements d'un coup là? Les balles qui n'arrivent pas à destination. Ah bah joli! Elle commence bien la vidéo! Oui, je vous l'accorde, c'était ridicule. J'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi j'arrivais pas à viser aussi bien le personnage en face. Hein? C'est reste la chaleur, les doigts qui glissent ou... Une incapacité à viser correctement. On va se le faire ce gars-là. Non mais là encore une fois, ça fait quelques balles qui n'arrivent pas à destination. Ah là par contre cette fois-ci je l'aurais eu. Pas trop tôt hein. Faudrait que je puisse me réchauffer quelque part. C'est pas tip top hein, j'aurais préféré trouver mieux là, je l'avoue. On va se verler ici cette fois-ci, peut-être se faire avoir une nouvelle fois. Là, pas besoin de récupérer les munitions apparemment, c'est ok. Y a pas un autre truc qui pourrait chauffer par là apparemment non plus. Bon bah tant pis, il nous reste plus qu'à avancer alors, on va reprendre la hache. Si tout le monde se souvient de ce qui se passe juste après là. Méchant ralentissement, et là bon, on va y avoir la bestiole. Bah ouais, là voilà. Tu l'as mis où ta tête là? Où est-ce qu'elle est passée cette fichue bestiole? Là. Méchante bestiole. Je pourrais par exemple redescendre pour essayer de me sauver un peu. Eh mais j'y pense, ça peut peut-être suffire ça pour se soigner là. Eh mais nickel. Pourquoi je l'ai pas remarqué tout à l'heure ça? Petite sauvegarde. Alors, on va avancer pour trouver notre nouveau pote là-bas. Allez viens me voir toi. Ah, c'est lui qui m'aura eu. Encore une fois. Décidément, je suis pas à la hauteur hein, aujourd'hui. Aïe. Reste ta place, bestiole. Ah là je t'ai bien eu, oula mais ouais effectivement hein. T'as plus grand chose d'humain toi hein. Ah vraiment plus grand chose hein. T'as des ailes toutes moches déjà. Puis en plus pour le visage c'est pas vraiment ça hein. Je sais pas trop d'où il est venu celui-là. Par contre là ça me plaît. Vous aurez remarqué que pour le jeu il n'y a pas de niveau de difficulté hein. C'est à dire que c'est normal. Point. Pas embêté avec ça. Ils n'y ont pas vu l'utilité. Méchant bestiole. Non mais regardez-moi ce visage là, ce que c'est que ce truc là. Comment ils ont pu en arriver là? Hein? Ça c'est la question qu'on se pose et j'aimerais bien qu'ils y répondent d'ici la fin du jeu.
Parce que pour moi, ce serait vraiment désagréable qu'il n'y réponde pas. Franchement. Ça là-bas, ça va se mettre en route, histoire qu'on va pouvoir récupérer un peu. Qu'on puisse récupérer un peu. Voilà, nickel, un petit peu de vie en plus. C'est toujours mieux que rien. Et alors d'avoir une ampoule aussi là-bas par terre, qui nous permettra peut-être de récupérer, à moins qu'elle ne soit pas assez puissante pour nous... Non. Au moins on sait que c'est par là qu'il faut aller. Hein. Petite sauvegarde. La lumière dynamique, c'est vrai qu'elle est bien rendue aussi. Hein. S'ils donnent des munitions, c'est qu'ils ont des raisons. J'aime pas leurs raisons. De toute façon, apparemment, j'étais obligé de passer par là pour réussir à arrêter ce petit truc là. Et ensuite réduire la pression. On va profiter pour sauvegarder. Bon. Ils sont solides, hein. Et j'avais pas sauvegardé en plus. Si, non, non, si. Aïe 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 aïe. Ça risque de pas être beau ça hein. Ah bah si, tout juste, j'avais juste à se garder, bon bah voilà. Nickel. Bon bah il nous reste plus qu'à lui faire sa fête à celui-là. Reste bien quoi. Voilà, vous remarquez que les trucs deviennent bleus pendant qu'on combat les ennemis. Il doit avoir une capacité de refroidissement assez exceptionnelle, je voudrais bien pour frigo, moi. Quoi qu'ils font peur quand même, à voir. Je suis pas sûr qu'on serait tous capables de garder un truc comme ça à la maison. Allez, on re-sauvegarde un petit coup, au cas où. Il est sorti d'où celui-là? De là-haut, ok. Ça me dit un qui vaille tous ces glaçons. Ouh, encore plein de glaçons. Cette lumière. Serait-il en train de monter les escaliers, s'il y en a ? Pas encore mort, cette petite bestiole, tiens. J'ai bien réussi à me faire trucider, moi. Descend par ici. Donc on
sais que pas loin, par là, il doit y avoir un ami. D'abord, on va se réchauffer un petit coup, voilà. Et ensuite, il faut que je trouve le bouton qui permet d'allumer ça. Il doit pas être bien loin, ce truc. Ce machin en bas qu'il faille voilà. À nouveau. Voilà, ce qu'on pouvait pas ouvrir la porte. Méchante bestiole. Bah, c'était bien par là qu'il fallait aller. Je pense que c'est comme Doom. Tant qu'il y a des ennemis, c'est qu'on est dans le bon sens. Méchant pas beau, tiens. Hein? Avec cette espèce de lumière toute bizarre là, sur la tête. Ça crache de l'électricité de partout. Et on va s'empresser d'avancer. Oh! Un escalier. Ah! Et un temps de chargement! Quel bonheur! Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Une valse à trois temps. Qui s'offre encore le temps. Qui s'offre encore le temps de s'offrir un détour du côté de l'amour comme c'est charmant une valse. Voilà, oh là là, c'est long. Oh, un petit dessin. Comme c'est Mimi. Regardez-moi ça, il a dessiné une petite maison là comme petit arbre. Oh, comme c'est Mimi. Il est pas mort le gars par hasard après avoir fait ça. Calor, calor. Y'a rien qui réchauffe mieux qu'un bon feu. Ça risque de pas être la joie là par ici. Regardez, la température monte. Voilà, on redonne un petit peu de vie à ce truc-là. T'as un truc qui a grogné. T'es où, truc qui a grogné? Fortement possible.
attrape, sinon on va encore là. Heureusement que l'ampoule ne crève pas, hein. Sinon on aurait des problèmes, dis donc. Il n'y a rien qui pourrait me dire. Pas par là. Je suis bête, c'est par ici. Ok, donc peut-être que j'appuie quand même sur le bouton là-haut. Vous remarquerez, quand on l'éteint, ça redevient... le givre qui commence à fondre. Ah, attention. Eh, c'est quand même bien fait, hein. Voilà. Tendance pour une récupérer de la vie, quoi. Qu'est-ce qui peut faire chaud dans cette chambre? Oula. Comment j'ai fait pour arriver de l'autre côté? Ah, c'est moi qui dois te tuer. Comment j'ai fait ça? Parce que c'est cassé la gueule, ok. J'ai pas tout compris à ce qui s'est passé là. Bizarre des fois, hein, l'histoire. Et là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour cet homme-là? Alors, réfléchissons. L'air d'avoir une épaule légèrement déchirée. Bon, on va quand même aller voir. Je suis dans ta tête. Ça tourne intact, et les gens. C'est type pas beau ça. Là où il y a de quoi récupérer un peu si jamais je suis trop fatigué. Eh, nickeloum. On se réchauffe un coup et on va redescendre. Voir à nouveau ce qu'il y a dans les entrailles de ce navire. Une petite sauvegarde pour la route. Descendre s'il vous plaît.
Merci. Aïe 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 aïe, ça veut dire quoi tout ça là? Ça sent pas bon ça. Beaucoup de munitions. Très beaucoup de munitions. Ça me paraît bien suspect tout ça. Pourquoi n'en envoyer qu'un seul personnage alors ils auraient pu en envoyer des dizaines? Ça m'intrigue beaucoup. De quoi récupérer un petit peu de vie, mais ça n'ira pas très loin. Donc là-bas ça reste allumé éteint, donc je vais essayer de rallumer pour voir. Et là, ça sent la glace à plein nez. On risque pas de l'ouvrir. Ça, c'est ok. Une petite sauvegarde pour la route. Et on va ouvrir cette porte là. Wow, le saligo. Passe devant là comme ça, comme si rien n'était, et moi je commence à givrer là sur place. Pourquoi je pouvais pas là-bas baisser le truc? Ça me paraît normal de pas pouvoir baisser. Mais il est déjà levé ou pas que je reste ici parce que ça me tue. Comme ça, c'est réglé. Bref, j'ai cru voir des munitions par là-bas, ouais, je crois qu'il y en a. Eh ben, c'est pas joyeux ça, hein. T'es mortel, mon petit chou. Bon. Je vais par là ou je retourne voir en arrière? Ouais, je suis pas sûr que ça va grand chose. Je me demande ce qui va vraiment se passer à la fin, parce que c'est vrai qu'on se demande du coup comment on va se terminer le jeu en fait. Rien à voir par ici, à part une porte bizarre. De nombreux glaçons qui se cassent la gueule. Des bruits bizarroïdes. Nous sommes dans le frigo. Ah, comme c'est cool. Comme ça, on sait que si on y est enfermé, ce sera pour toujours. Sur quoi on va bien pouvoir tomber là-dedans? Fort ça. Voilà, oh là là. Ça, ça sent l'historex, mauvais, mauvais. Oh non, ils ont tué la vache.
Et celle-là aussi, je peux la... la revisiter? Non? Je peux pas revisiter toutes les vaches? C'est quoi, cette histoire? Après, y'en a un qui s'est fait écraser par une carcasse. C'est la vache qui va sauter dessus. Monsieur le boucher, que vous est-il arrivé? Hein? Je vais rentrer dans ta tête! Pas sauvé ça. Sauvons les vaches. La SPA est avec nous. Allez-y les gars, allez libérez-vous. Allez voir à la lumière. Oh comme c'est beau. Peu cher. J'ai libéré toutes les vaches. Oh je suis un génie. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oula. À tous, apparemment il y aura un problème en fait avec le jeu, puisque si je l'ai bien compris, il refuse de charger une texture quand on revient par là-bas. Donc on va voir s'il me refait le même coup. Ah bah non, c'est bon, ça marche. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes qui? T'es qui, toi, pour me tirer dessus? Pourquoi tout s'est éteint? Pourquoi je suis en mode flashback? J'ai utilisé presque toutes les munitions pour rien là. Il aura fait bouger tous les corps le monsieur. Oh là là. Il a accroché des gens. Oh super. Bon bah vous savez ce qui se passe maintenant. Alors tout à l'heure il y a eu un plantage, je sais pas si vous aurez la vidéo correctement, mais en fait il y a eu un gros plantage, c'est-à-dire qu'il y a une texture qui a refusé de se charger. Hein, donc logiquement, vous savez ce que ça fait, un retour sous Windows, etc. Pas de bol pour moi comme on dit. Hein. Alors cette fois-ci on va essayer de mieux se débrouiller. Alors flashback, de retour avec tous les gens, l'autre qui arrive là-bas. Voilà, on recharge un petit coup. Je vais pas se regarder, hein, je vous préviens. Ah bah ça y est, c'est arrêté du coup. Et son arme est restée coincée dans le système. J'aurais sauvé plein de vaches. Et je comprends pas là, pourquoi ils ont des cellules coincées dans la tête? Comme c'était moche. Bon bah vous savez quoi, je crois que la vidéo était assez longue et on va donc s'arrêter ici en espérant malheureusement que cette vidéo vous aura plu. Alors on va voir déjà où ça revient, ça ne revient pas trop loin, c'est nickel, parfait. Donc on s'arrête ici, hein. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, comme d'habitude, ciao tout le monde, salut.